Bienvenue dans le monde de Nikki. Une artiste bien dans son époque qui utilise des matériaux de récupération comme toile de fond pour laisser libre cours à son inspiration. Quand je peins, je me prends pas la tête. En fait, j'ai pas envie d'intellectualiser les choses et puis je laisse aller mes idées comme elles viennent. J'aime la musique, j'aime l'art classique, j'aime les mangas, les dessins animés. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de déco, qui plaise aux gens, avec des couleurs. Pour moi, c'est la culture populaire et la culture populaire doit rester simple. Pour moi, c'est très important. Tout en dérision, Nikki dénonce les travers de notre société de consommation. L'univers du luxe, le gaspillage, le saccage de la planète. Avec des références au père du street art, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat. Elle transforme les objets mis au rebut en œuvres d'art. J'ai voulu travailler sur des jerrycans et puis des vieux bidons d'huile. Des matériaux qui sont quand même à la base assez sales. Pour en faire des choses plus belles, puisque on n'est pas très bon au niveau pollution. Et je me dis, autant se débarrasser de ces choses et puis en faire de belles choses, quoi. Originaire de Monceau-les-Mines, Nikki s'est installée à Saulieu en décembre 2018 grâce à un tableau publié sur les réseaux sociaux, remarqué par l'assistante de conservation du musée François Pompon. Elle m'a proposé de faire une exposition à Saulieu, à la Galerie Pompon. De fil en aiguille, elle m'a fait rencontrer Richard Orlinski. Et puis tout est parti de là, il a accepté d'exposer avec moi. Prochaine exposition à Dijon du 19 septembre au 19 octobre.